vas bien? Bienvenue dans cette nouvelle séance où on va mettre l'impact sur les fessiers. Allez, rejoins-moi dès maintenant. On est maman, on n'a pas le temps, mais on prend quand même le temps pour sa santé. Regarde, on commence à faire quelques talons fesses. Tu peux faire cette séance le matin, le midi, le soir, quand tu peux. Séance assez courte, mais intense. Allez, souffle. Tu peux le faire aussi à jeun ou après avoir mangé, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est de faire ta séance. Ouais. T'as vu, j'ai mis un peu de musique là. Je trouve que c'est plus sympa, c'est plus motivant. Allez, souffle bien. On va faire aller un petit peu les bras. On va s'échauffer pendant 2-3 minutes, ok? Et ensuite, je vais te montrer 3 exercices pour remonter ton fessier, d'accord? Si les fesses un peu qui pendouillent, c'est pas grave. On va améliorer tout ça. Allez, respire. Ok. On va faire quelques petits squats pour s'échauffer. Tu connais le squat, marche. Le squat ici, regarde, je vais descendre les fessiers vers l'arrière. Je vais garder mon dos droit et je remonte tranquillement. Descends et souffle. Quand tu descends, tu inspires par le nez et quand tu remontes, tu souffles par la bouche. Imagine, tu décolles tes pointes de pied et tu pousses dans les talons pour remonter. Ok, on y va. Descends, remonte. Descends, remonte. Inspire, souffle. Allez, super. Encore. Allez, génial. Ok, je change de mouvement. Regarde, juste pointe sur le côté. Facile. Allez. J'espère que tu as prévu la bouteille d'eau. Sinon, on fera une petite pause après, quelques secondes, pour boire un petit peu. On va essayer de faire 3 séries dans cette séance. Ok? Ok, pointe vers l'arrière. Tu vas voir, c'est 3 exercices sans matériel. Pas besoin d'aller en salle de musculation. Si tu fais ça régulièrement 2-3 fois par semaine, tu auras des résultats, on va dire, à partir de 6 semaines. Vraiment, il faut être régulière hein, dans ta séance. Ok? Bah oui, parce que si tu fais qu'une séance par semaine, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Ok, marche. Je vais te montrer le premier exercice. Regarde. On va partir en squat. On vient de le faire dans l'échauffement. Ici, on va placer son pied vers l'arrière. Regarde, ici, on travaille le fessier. On va revenir dans cette position et refaire quelques mouvements. Ok? Il y aura une évolution dans cette partie. Puisque après avoir fait une révérence, on va garder l'équilibre, monter le genou sur le côté et revenir en révérence et squat. On fera ce mouvement-là. Ok? Pendant que je parle, j'espère que tu es allé chercher ta bouteille d'eau. Ok, bois un petit coup et on va commencer aux choses sérieuses. Ok? Donc là, je t'ai montré le premier exercice. On fera le deuxième exercice ensemble après le Super Mario. Éléphante, ça va être génial. Ok. On se place donc, pied largeur bassin, on y va. Squat, révérence. Pour l'instant, on ne fait que les squats révérence. Ok? Squat, révérence. Il y en a 8. Tu vois, tranquille. 5. 6. 7. Ok, génial. Regarde l'évolution que je t'ai montrée. La révérence, le genou, révérence, squat. Ouh, est-ce que ça commence à chauffer? C'est normal. Allez, 3. Ok, essaye de bien garder l'équilibre. C'est bien. Allez, regarde, on a déjà fait la moitié. Si ça chauffe, c'est normal, hein, t'inquiète pas. C'est le but. C'est le but. Waouh. Et imagine, il y a 3 séries comme ça. Ah oui, bah fallait pas venir. Hein. Allez, le dernier. Wouhou. Génial. Marche, marche. Ça va? Tranquille. Je te montre le deuxième mouvement. Si tu veux boire un petit coup entre deux, tu peux, il n'y a pas de souci. Regarde. On va serrer les pieds, fléchir les genoux, impulsion sur la jambe droite et tu vas monter ton genou gauche. Ok? Super Mario. Imagine, t'es une super héroïne, un super héros. Si tu fais cette séance et que tu es un homme, on va y aller ensemble 8 fois. On va monter le genou. 5, 6. Attends, on attend la musique. Go! 1, 2, on y va. 3, 4, serre bien le ventre. Souffle, super. Yes! Allez, envole-toi. J'ai
Et je montre le troisième mouvement. On garde bien la jambe droite. Fléchir, on va fléchir le genou, placer la jambe gauche vers l'arrière. On va descendre en fente, tendre la jambe gauche vers l'arrière, on garde l'équilibre, on repose et on revient. Tu peux te tenir à une poignée de porte, une poignée de fenêtre si tu veux pour garder l'équilibre. Un mur. Tranquille, on y va tranquillement. Allez, c'est parti. 1. Et 2. Voilà, c'est bien. Appuie bien dans ton talon pour remonter ton talon droit. Ah, je sais pas toi, mais moi je le sens bien là. 5. 6. Waouh. Allez, 7. Waouh. Le dernier. 11. Génial. Après, tu vas marcher à canard, je te dis. Tout pareil avec l'autre jambe. 5. Six, on commence avec les révérences, on y va. Squat, révérence, squat, révérence. 3, respire, c'est bien. Encore. 4, 3, 2, attention l'évolution. Ici, on met le genou sur le côté. Révérence, squat, révérence, genou côté, révérence, squat. Ok? Allez, troisième fois. Ouais, ça chauffe là, ça chauffe là. Garde bien l'équilibre. Oh, aïe, aïe, aïe. Allez, je suis dans le même cas que toi. Garde bien l'équilibre. Serre le ventre. Le dernier pour la route. Allez, souffle. Oui, c'est bon. On y va pour le super maillot. Voilà, tu rapproches bien tes pieds. Fléchis les genoux. Ici, c'est ton genou gauche, pardon, ton genou droit, on est en mode miroir quand même, Emilie, hein. Tu vas monter comme ceci, on va le faire 8 fois, alors c'est pas en sautant, hein. C'est une impulsion, ok, reprends ton souffle, on va y aller avec la musique, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, et 7, souffle, allez, on s'envole. C'est bien. Ok, super. On garde ici la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. On descend doucement, je te montre. Ici, on va tendre la jambe droite derrière. Revenir en position de départ. Pousser dans le talon pour remonter. Ici, on travaille le fessier gauche. On y va. Et ici. Allez. Allez, souffle bien. Allez, 4. Tu vas voir que le temps, il passe très vite. Et 5, garde bien le dos droit. Et 6, waouh, oh, je sens bien moi. Ouh. Ah waouh. Et 8, waouh, bois le coup, bois le coup. Ok, super. On vient de faire une série de chaque côté. Oh. Ouh. Il vient de se passer 8 minutes, ok. Ok. On y va pour l'autre jambe, tout pareil. Le squat, la révérence. 5, 6, position, largeur, hanche. On y va. Et 2, et 3, et 4. Encore 4, 4, 3. Allez, pousse bien les fesses vers l'arrière, garde le dos droit. Ok, l'évolution avec la révérence. Le genou côté, tu souffles bien en même temps, révérence, hey, encore, 3, hey, c'est bien, oh là là, ça chauffe, là, ça chauffe. Allez, accroche-toi, accroche-toi, je sais c'est dur, mais bon, si tu veux un fessier bombé, faut passer par là, hein. En même temps, ça brûle la culotte de cheval, la cellulite. Waouh! Marche! On enchaîne avec le super Mario. Ici, on lève le genou gauche. On y va. 2. Sur la pointe de pied droite. 4. Encore. 5. 6. 7. Ok. Garde le genou droit devant. Descends, fente. La jambe
tendu gauche derrière et tu reviens. Ok, on y va pour 8. 8. 7. 7. Et remonte. 6. Alors ça, tu vois, c'est des exercices qui sont issus de mes cours de strong. On vient les isoler aussi par moment. Waouh! Allez, encore. 3. 2. Garde le dos droit. Allez, le dernier, accroche-toi, accroche-toi. Allez, ça tremble. Oh! Waouh! Waouh! Allez, on enchaîne tout de suite de l'autre côté. Squat révérence. On fait la jambe gauche. 5, 6, 7, squat, squat. 8, 7. Ça va mieux là. Allez, plus que 4. 4. Garde bien le dos droit, les fesses vers l'arrière. T'inquiète pas, la musique elle va arriver. Ok, le super Mario, on enchaîne. 4, 3, 2. Genou gauche fléchi. Plus que 4. 4. 3. 2. Ok, garde bien ta jambe gauche devant. Tu descends en fente. Tu tends la jambe droite derrière. Et tu reviens. On y va pour 8. C'est parti. 8. Et souffle. 7. Allez, garde bien le dos droit. 6. Ah. 5. Allez, plus que 4. 4. Allez, 3. J'ai ma caméra qui clignote. J'espère qu'elle va pas s'arrêter en plein milieu. Ah, le dernier. Waouh, marche, marche. Bois un petit coup. Je vérifie le matériel. Je pense qu'il va pas me lâcher celui-là. Ah, plus qu'une minute de tournage. Oh là, les aléas du direct. C'est pas grave, je vais couper. Et je vais faire une dernière série avec toi. Parce que je te lâche pas. On est ensemble. On va remonter ce popotin. Bois un coup. Allez, c'est parti pour la troisième et dernière série. On y va ensemble. Les pieds, largeur bassin, squat, révérence. On y va. Squat, révérence. 7. Garde bien le dos droit, les fesses vers l'arrière. 5. 4. C'est bien. 3. 2. Attention, l'évolution. Genou côté, souffle. Derrière, squat, révérence. Et 2. 3. Allez. Et 4. Ici, ça travaille aussi au niveau des abdos. C'est pour ça qu'il faut souffler en même temps quand tu places ton genou sur le côté. Travail du transverse. 6. Oh. Ouh là là. Tu m'en diras des nouvelles. Tu mettras en commentaire si tu as bien senti l'effet au niveau du fessier. Allez, on y va tout de suite avec le Super Mario. On rapproche les pieds et genou gauche. Ouh, genou fléchi, on y va. Go. 8. 7. Impulsion. 6. Serre le ventre. 5. Garde le dos droit. 4. Allez. Super. Ok, jambe droite devant, genou fléchi. On descend vers l'arrière. La jambe gauche tendue derrière. Tu reviens tranquillement. On y va pour 8. 8. Et 7. Si tu peux pas lever ta jambe très haut, c'est pas grave. Hein. Il s'agit pas ici de cambrer le dos. Waouh. 4. Waouh. 3. Ça brûle bien, ça brûle bien, ça brûle bien. 2. Ouh, ça travaille aussi les ischios, l'arrière des cuisses. Oh, ça pique. Ça pique, ça tremble. Bon, allez, on enchaîne avec l'autre côté pour la dernière série. Squat révérence. 5, 6, 7, 8. Squat. Allez. 2. 3. Allez, courage, je sais. C'est difficile, mais on sera bien content d'avoir terminé. Ok, l'évolution ici. 1.
Et souffle. Waouh. Allez, encore. 3. Ah. Allez, les pointes de pied bien vers moi. 4. Si tu peux pas lever le genou trop haut, c'est pas grave. Garde bien l'équilibre. Et souffle, toujours ton genou fléchi. Allez. Ah. Dernier. 3. Superman, on enchaîne. Et 8. 7. 6. 5. Garde le dos droit. 4. 3. Allez, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te lâche pas. Le dernier. Ok, ici, genou gauche devant. Tu vas descendre tranquillement. Tendre la jambe droite vers l'arrière. Et revenir. On y va pour 8. Descends. Tends. Et reviens. Allez, appuie bien dans ton talon pour remonter. Imagine tes petits doigts de pied qui ne touchent pas le sol. 4. Waouh. T'as vu, hein? Pas besoin d'aller en salle de muscu, hein? Pas forcément besoin de matériel. Allez, le dernier. Mamma mia! Oh! Mon Dieu! Mon Dieu! Ça va? Respire, marche. Bois un petit coup. Ok, respire, respire. Je change la musique. On va s'étirer. Tout va bien. Bravo à toi. Bravo, bravo, bravo. Allez, DJ, let's go. Waouh. Oh, ça a mieux au début, dis donc. Allez, non, hein, dis. On a fini la séance, Coco. Moi, je veux... Je veux pouvoir m'étirer, hein. Ah bah, il veut pas. Il veut qu'on refasse la séance. C'est pas possible, hein. Eh bah, c'est pas grave. J'en mets une au pif. Allez, respire. Ouh. Bah, pendant ce temps-là, t'as eu le temps de souffler, t'as eu le temps de boire. Tu vois, il n'y a rien de parfait dans la vie. Mais le principal, eh bah, c'est d'agir, tu vois, tout simplement. Et là, tu vois, j'ai fait lecture. Mais voilà, la musique elle s'est pas mise, mais c'est pas grave, regarde. On va rester entre nous, tu vois. On va étirer ici le devant de la cuisse qui a bien travaillé. Tu vois, rapproche tes genoux, tu pousses le bassin vers l'avant, tu inspires, tu te grandis. On est pas bien là. Ok, regarde, place ta jambe devant. Tu pousses les fesses vers l'arrière, je te montre de profil. Alors pas le dos rond, hein, le dos droit, regarde. Pointe de pied vers toi, tu vois. Ici. Et puis regarde, on enchaîne avec l'autre jambe tout simplement. On va rapprocher les genoux. Alors si t'as pas le temps de t'étirer, c'est un peu compliqué. Garde toujours au moins 2 minutes pour faire quelques étirements parce que sinon tu vas te retrouver courbaturé le lendemain. Et ça, c'est pas tip top. Voilà, c'est très bien. Génial. On a bien bossé hein, quand même. Juste étire-moi sur les côtés aussi. Voilà. Les pieds bien à plat au sol. On fait les deux côtés, tant qu'à faire. Le dos droit, les fesses vers l'arrière. Super, tu vas rapprocher tes pieds. Dérouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, épaules vers l'arrière. Tu vas inspirer, te grandir. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo. Si tu l'as faite jusqu'au bout, ça me permet de voir qui l'a fait et qui l'a pas fait. Hein, voilà. Qui est-ce qui a fait ses devoirs maison? Ok. Waouh. Et puis planifie tout de suite ta prochaine séance dans ton agenda. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi.